Ok, donc on est en train de monter. On est toujours en train de monter. C'était un peu proche. Eh, on y arrive, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? On est où là? Voilà, voilà. Jeff Shaw a dit que vous aviez assuré votre dossier disciplinaire, Ando. Je suis très impressionné. Notre un poste de travail dès que possible, ça. Après les demandes de cartouches de fusil, j'avoue que la menace est réelle, mais je vous en prie, n'avez pas le matériel, Docteur Shaw. Ah, oups, pardon. Account. Où est-ce que je suis? C'est où c'est que j'ai tué? Ah, mais oui, on est là, d'accord. Pourquoi cette musique oppressante, là? Inspection, votre combinaison fuit. Je vais me fermer la machine. Examen terminé. Si on passait par là, c'est facile. Oh, la musique, quoi. On dirait un film d'horreur. Ah, pas mal. Y'a quoi de ce côté? Y'a rien. On peut aller à l'intérieur. Ah, on peut aller à l'intérieur. Oh. Bingo. Mets ça dans le coffre, s'il te plaît, merci. Oui, mais c'est quoi le saisir? Yes. Démarrage du test 29, variante C, sujet V-010655-32. Le sujet 32 est dans la pièce. Ok, que tout le monde active son psychoscope. Vous avez une famille? Préparer le typhoon Cacoplasmus. J'ai une fille. Ils me l'ont enlevée. On m'a promis que je la reverrai. J'ai signé vos papiers. Restez concentré. Votre famille, vous devez vraiment la détester pour faire ça. Je l'entends dans votre voix. Vérifiez ces constantes. 32 montre des signes de détresse. Cortisol et rythme cardiaque élevé, transpiration. Rien dans le rouge pour l'instant. Regardez-moi. Regardez l'homme que vous êtes en train de tuer. Le mimique est prêt. Autorisation pour ouvrir, Morgan? Ce que vous faites,
va nous tuer. Ouverture. Le spécimen de Typhoon Cataplasmus est dans la pièce avec le sujet 32. Ok. Sympa. Il est sympa Morgan en fait. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On supprime le fichier ou on transfère le fichier? Morgan, tu as trouvé les dossiers? Rien du tout? Je suppose que je me faisais trop d'illusions. Merci d'avoir essayé, Morgan. De rien. De rien. On a bien fait. Sinon, bon... Sinon, on passe un peu pour un connard. Donc, voilà. Bonjour, content de vous voir. Scan terminé. Moi, je transférais, elle aime pas, mais comprends que tu n'es plus comme ça. Nouvelle aptitude aussi disponible. Bah comme ça on verra ce qui se passe. Ah, critique de 100% de dégâts, on se casse. Pas mimique. Ah là. Ça serait intéressant quand même quand on y pense de complètement perdre la mémoire et on sait plus qui on est et de voir un peu comment on réagit comparé à nous avant quoi. Oh yes. Ce serait drôle. On a la clé. Ensuite, votre cul se retrouvera dans l'espace, comme le mien. Et si vous parvenez à retourner à l'intérieur,
Faites-moi plaisir. Tuez le fils de pute qui a fait du mal à Abby. Sinon, je vous jure que je reviendrai vous hanter. Ça marche. Tuez fils de pute, ça marche. C'est le faux cuistot. D'armement, on va la faire. Faire des balles. Quelques trucs en plus, juste au cas où. Anti-rate 5. Ouais, on est bon. On est bon. Enfin, je crois. Enfin, je crois. On n'a pas énormément de vie, par contre, c'est un peu chiant. On a 8 euros. On fait piratage 3, ou alors on fait autre chose. Comment ça dit, kit de secours jusqu'à 300%. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. On va peut-être augmenter la vie, comme ça on sera tranquille. C'est pas mal. Ah, on peut faire régénération 2. On va faire régénération 2. Parce que j'ai scanné assez de cauchemars, de nightmares. Alors du coup, elle veut qu'on fasse quoi? Comment du poste de travail? Okay. Je suis même pas regardé l'ordinateur en fait. Morgane, lisez-moi. De Daniel Shaw. Faux cuistot égale volontaire en fuite égale Lucas Kolobkin. Trouvez le poste sécurité dans le quartier volontaire dans le département Meuromode. N'est-ce pas, c'est chouette. Alors, Lucas Golubki.
Ok. Lucas Golubkin. Faut que je me rappelle de ce nom. Bonjour. Ah mais il n'y avait pas un... Là. Volontaire. Pas écrit. Il est où, Lucas? Bonjour, ravi de vous revoir, Docteur Yu. Lutter Glass. T'es où, mec? Enfin, peut-être qu'on peut pas le voir, en fait. Pas ici. Là-bas. Non, c'est pas là. L'autre côté. J'aime pas ça. Peut-être mets ta combinaison, non? Mets ton casque. Ouais, c'est vrai, Orion. Ah là là, et pas très malin, hein, Morgan, quand même, hein, au final. Pas super, super malin. Microgravité détectée. Ils ont peur. Question d'anesthésie. Non, rien ne doit perturber la formation de souvenirs. On peut aller sur Terre. Les sas sont fermés sur Talos, mais il y a une ouverture dans la zone de fret que vous pourriez utiliser. Je pense que vous pourriez retourner dans la station à partir de là. La zone de fret. Ah non 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 non. On esquive. Ah, on peut aller dedans. Ouais. Aïe aïe. Est-ce qu'on peut les taper? Ah, ça doit être fermé. Ouh, tout ce qu'il y a.
été hors de votre cellule. Peut-être une tentative d'évasion. Comme moi, c'est dangereux dehors. Mais ça, vous le saviez déjà. Vous avez des migraines, des visions. C'est pas la fièvre, ni des hallucinations. Un horizon approche, traversant l'espace. Et si nous sommes toujours là à son arrivée, il hurle si fort. On l'entend dans nos têtes. Il est encore loin, mais il se rapproche à chaque minute. Il dévorera votre prison, chaque personne à bord, et il aura toujours faim. Quelle sera sa prochaine destination? Je sais pas. Nous nous reverrons bientôt dans votre prison, Emu. Ici le docteur Dayo Igwe. Ceci est un appel à tous les contacts à proximité. Je vous en prie, qui que vous soyez, écoutez-moi. Je n'ai plus d'oxygène. Je n'ai pas de combinaison. Un accident dans la zone de fret m'a contraint à m'enfermer dans ce conteneur. Mais je n'ai aucun moyen de m'amarrer de nouveau à la station. Ouh. Quoi? Attends, me stresse pas. What? Ah, putain. Amarrer le conteneur de docteur extérieur de Talos. Trouver le numéro du conteneur extérieur de Talos. Oh la vache. Non, pas un truc avec un temps. Putain. Sauvegarde. Vache. Pourquoi y a pas de... clé. Zone de fret. Je comprends rien. Station. Oh la vache. Cadavre humain. Opérateur à l'approche. Je perds du temps là, c'est bien. Il est où le truc? Je vois pas. Il est dans un... un truc comme ça? Il est où le mec? On va faire ça, on va faire... Morgan, nous avons verrouillé la zone de fret. Nous sommes en sécurité. Pour l'instant. Ça va être difficile d'entrer. Il n'y a plus de sas. L'explosion l'a détruit. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec les conteneurs. Amalia, aide-moi. Ah, il est là. Il est trouvé. Pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ça va, mec? Je suis censé le pousser? Container. Est-ce que je suis en train de l'ouvrir là? Oh la vache, c'est bon, on a sauvegardé de toute façon, on va voir. Parce que si je l'ouvre, le mec il va avoir un problème. Attendez! Attendez, mais vous faites quoi? Arrêtez! Arrêtez! J'ai ouvert le truc. Voir, il avait quoi sur lui?
C'était pour tester. Seulement pour tester. Ah. C'est pour voir ce qui se passait. Condition atmosphérique dangereuse. Je vous vois, Morgan. Ah. Nous avons verrouillé la zone de fret. Nous sommes en sécurité. Pour l'instant. Bah, il est où, ça va être difficile d'entrer. Il n'y a plus de sas. L'explosion l'a détruit. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec les conteneurs. Alors, 2, 3, 1, 2. Et maintenant, je fais quoi avec ça? Oui, on a trouvé le code. Terminal d'amarrage. Ok, ça marche. 2, 3, 1, 2, c'est facile. Ouvrir. Encore. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va l'accrocher? Enfin, je pensais que cette caisse serait ma dernière demeure. Même l'air vicié de Talos, ce mélange de nicotine et d'antibactérien, a comme une odeur de printemps. Je vous remercie, Docteur Yu. Mais je pensais... Eh bien... Vous avez quitté votre roue de laboratoire mémoriel, à ce que je vois. J'espère que vous venez me chercher. J'apprécierais de voir un visage familier. Je vous transmets le code de la caisse dans laquelle je me trouvais. Jessica, t'aurais une minute. Vous avez trouvé le docteur Igwe. Il travaillait dans le laboratoire de simulation et au département psychotronique. Et il pourrait vous être utile. Mais il n'approuvera probablement pas votre mission, malgré tout ce qu'il a enduré. Je remarque toutefois qu'il vous a toujours admiré, Alex et vous. Jessica, t'aurais une minute? Je suis de repos. Ouais, mais tu pourrais me redonner la procédure d'amarrage des conteneurs? J'ai loupé la session de mise en pratique. Oh, Grant. Pitié, si je demande encore à Gus, il va péter un câble. Tu te trouves au poste d'amarrage des cargaisons? Oui. D'abord, commence par rentrer le numéro du conteneur que tu souhaites amarrer. Je le trouve où? Bah regarde le conteneur, Grant. Il est peint à l'extérieur. Une fois le numéro saisi, plusieurs options doivent se présenter. Sélectionne amarrer, c'est tout. Le conteneur s'amarre tout seul, c'est ça? Oui, Grant. Ils s'amarrent tout seuls. Ils sont autopilotés. Et j'imagine que la commande ouvrir sert à ouvrir le conteneur. C'est ça. Mais on peut jamais ouvrir les deux extrémités simultanément. L'intérieur de la zone de fret reste ainsi pressurisé. Même lorsque les portes extérieures sont ouvertes. Ok, je crois que j'ai compris. Merci, Jess. Jess? Y a quelqu'un? Ok, salut. Alors. C'est un peu le bordel à chaque fois ici. Quoi là? Les objets. Ah, c'était ça. Youhou. Cadavre humain, tu vois. On va voir si on l'a déjà, lui. Elle. Batterie pour disjoncteur. Là. On va peut-être se mettre dans le bon sens, non?
Oh putain, je suis perdu. Oula. Ouh. Objets un peu partout, ça met du temps. Ah oui, faut mettre. Enfin, j'en sais rien. Je suis un peu perdu sur ce qu'il faut faire en fait. Faut rentrer dans la zone de fret, c'est ça. Ouvrir. Ah, ah. Voilà. Et là, on est bon. Ouf. C'est bon, ça marche. Ouf. C'était compliqué. Enfin, compliqué. C'est pas très clair, en fait. Yeah. De retour ici. Docteur Yu, Morgan, là-haut, c'est l'officier Cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Je peux aussi les tuer. Ah, ce gaz, ok. Par contre, quand c'est sombre ici. Hein.
que je me soigne. Faut le courant. J'aime bien les musiques de jeu, elles sont vraiment cool. Rappelez-moi de jamais vous mettre en colère. Vous avez tout ce qu'il. Laissez-moi vous ouvrir. Quoi ? Je comprenais rien. Ces pauvres PPN 8 sont aussi efficaces que des putains de pistolets à eau. Quoi ça ? Non, ils sont super efficaces. On a vérifié l'équipement d'Igwe, tout est d'origine. Aucune trace de matière organique, il est clean. Je vais quand même vérifier moi-même. Il y a plein de monde. Le capitaine Elazar va vouloir vous parler. Nous n'avons appris qu'il y a peu de temps que vous étiez encore à bord de la station. Le docteur Igwe a de la chance. Vous l'avez secouru pile au bon moment. Officier Hayashi, docteur Yu. Merci d'avoir sauvé l'officier Shodari, Docteur Yu. Elle nous a parlé des... télépathes. Aucun mouvement, pièce sécurisée. Il paraît que le Docteur Docteur Yu, vous étiez dans les quartiers de l'équipage? Avez-vous trouvé des signes de ma femme, Nicole? La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle était en chemin. Si vous la trouvez, vous pouvez l'aider à nous rejoindre? Si elle s'est transformée en une de ces... créature, je... Non. Je suis désolé, Docteur Yu. J'aurais pas dû. Je vous demande pardon. Il a écrit la poste. C'est on est UPS. Rapporter l'Alliance. Ah, je l'ai, l'Alliance. Nicole. Alors, elle est morte. C'était pas votre boulot de faire ça. Mais merci, monsieur. C'était et Morgan, fantôme. Je vous dois des excuses. Quand vous avez disparu dans le labo de simulation, Sarah m'a demandé d'interroger le personnel de la psychotronique, discrètement. J'ai pas été assez rapide, mais j'ai appris que vous n'étiez pas dans le laboratoire de votre plein gré. J'avais jamais pensé à ça. Quand on l'a appris, Sarah était la première à se dresser contre votre frère. Mais vous savez ce qui s'est passé. J'aurais dû faire plus, fouiller plus profondément. Surtout après tous les risques que vous avez pris pour nous. Je suis désolé. Nouvelle attitude. C'est le capitaine Marx qui a dirigé notre cérémonie. Vous étiez là, mais vous ne devez pas vous en souvenir. Non. Docteur Yu ? Bah apparemment j'étais un connard, donc bon. Je suis prête, Docteur Yu. Ok, t'es prête. Je sais pas pourquoi, mais t'es prête. Ouvrir la cage. La cage, c'est bien ça, la cage. Yes. Cage 2. Ouvrir, ouvrir, cage 2. Yeah, je plein de bordel. Pour une fois que je joue mon propre rôle, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est plutôt oui, la police pour les personnes disparues, j'avoue. Mais du coup, plus maintenant, en fait, parce que je suis plutôt un gentil, donc je suis plus un connard, là je joue un autre rôle. Enfin, pour le moment. Après, ça peut toujours... On a perdu Tiger Hammer au début de l'attaque, mais je suis content que vous ayez pu sauver Annie. On dirait que les mecs te parlent toujours dans l'oreille, alors que t'es loin d'eux. Mais t'as toujours l'impression qu'ils te parlent dans l'oreille. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'as une sale gueule, hein. Ah, cadavre. Ce qui serait drôle, ce serait de hacker ça et d'ouvrir.
Et après, ils se font attaquer. Non, ce serait pas drôle. Ça serait connard. Ah mon dieu. Erreur. Ajustement de l'inclinaison requis. Nous sommes pleins. C'était bof. Non, mais non, normalement il passe là. Oh putain. Oh, tu te fous de ma gueule. J'ai pas envie d'utiliser encore une grenade. Ah! Bon, personne ne bouge. Poussez-vous. On va faire péter une grenade. Alors. Voilà. Tout le monde se pousse. On attend. Bouge pas, toi. Bouge pas. Bouge pas. Cette personne qui te parle en même temps, c'est celle que tu écoutes, ça permet de bien entendre. C'est vrai, ouais. J'ai pas force 3, j'ai force 2 pour le moment. Ah, l'inventaire, on l'a au maximum maintenant. Bion, boing, bion, boing. Je sais pas ce que c'est. Des leurres, hein. Ah, un rayonnement. L'arme préférée de... De Amalia. Désassemblée. Hop là. Ça. Pam, 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 pam. Ah. Ah! Okay. Bon, c'est tout? Ouais, enfin, c'est surtout pour le neuromode, quoi. Zone de transit. On va où, en fait? Parce qu'il y a tellement de choses. Ah oui, il faut aller à la zone de fret pour lui parler. Zone de transit. Et là, on peut pas remettre le courant, par contre? Ok, on va essayer de remettre le courant en premier. Encore des puces. On a des puces. Électrostimulateur. Ah ça. Non, le disjoncteur. C'est quoi électrostimulateur? Alors, réduit au coût initial des points de psy des pouvoirs de transformation. Ça, je l'utilise pas. Augmente légèrement les dégâts de toutes les attaques psy. Ça, c'est bien ça. Mais on pourrait le changer pourquoi? Coûtera une chance d'utiliser un pouvoir psy sans dépenser de points. Comment on enlève? Enlève.
désinstaller. On va mettre augmente légèrement les dégâts de toutes les attaques. Parce que j'ai tellement de choses pour le... J'ai tellement de... Ça! Des hypopsies que... Voilà, j'ai pas vraiment de problème en fait. Augmente votre vitesse de déplacement en mode furtif. Ah, c'est bien. Pourquoi t'es mort? T'es fait électrocuter? Batman! Oh merde! Je vais tenter un truc. Je vais sûrement crever. Donc on recharge parce que c'était complètement con. Je pensais qu'on pouvait glisser en dessous. Bon. On va faire ça. Ah ouais, c'est puissant quand même. Si je les bouge par contre, ça va exploser. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas. Attention, combinaison endommagée. Ça c'est pas bon ça. Bon, on va monter plus haut. On peut pas monter là, non, on peut pas. Gaz. On a du gaz, c'est dangereux. Le dernier Spider-Man, je le trouve sympa, mais c'est pas trop mon style de jeu en fait. Ah, cadavre. Plein de trucs. Plein de trucs à récolter. Bon, on va voir. On va voir après. Tap. Attends, attends. Je me repose. Aha! Circuit d'alimentation. Ok, attendez. Hey! Ça marche. Là, ça brûle toujours par contre.
cubes en provenance de la Terre. Si j'ai commandé quoi? Un synthécube, c'est une machine. Une machine? Qui fait quoi? Bah, je sais pas trop, j'espérais que tu me le dirais. C'est une blague ou quoi? J'ai pas que ça à faire. Bah, comme t'es concepteur industriel, je pensais que tu saurais. T'as visiblement aucune idée de ce que je fais. Et j'ai pas commandé de synthétiseur. Synthécube? Demande à quelqu'un de l'ingénierie. Mais je l'ai fait. J'ai demandé à tout le monde. Personne n'en a commandé et personne ne sait de quoi il s'agit. C'est bizarre. Bon, je passerai peut-être ce soir et jeter un œil. Ce serait sympa, merci Lane. Ouais, aucun problème. Synthécube. Ma transcendance, rapière. Et par seconde, avec les besoins de critique statue. Regarde-moi la vache. Ah. Allez, you. Tout va bien. Veuillez vous soigner. Tout va bien. Oh. Oh. J'ai pas vu qu'on pouvait tomber. Je vais tellement me faire one shot. Tout va bien. Oh, yes, ah non, c'est pas... Demande de nouvel opérateur. Bah c'est bien. Opérateur ingénieur Transstar Cobalt. Inspection en cours. Faudrait soin. Maison est endommagée. Examen terminé. Je vous prie de faire attention. Ah, oui, mais bon. T'es à côté, quoi. Merde, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ça... 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 Il me faut en fait cette ressource-là, là, les deux. Les deux lingots, là. Je sais pas ce que c'est. Bah, je peux regarder le nom, mais. Je crois que c'est ça, matériaux minerais, je crois. Ah, je pourrais donner des. Ah, on va faire ça, tu. Hop. Hop. Du fer. Ça aussi. Voilà, on va enlever ça aussi. Voilà, on a fait un peu le vide. C'est un peu mieux. C'est terrible. C'est super ça d'avoir à côté comme ça. Je
super fertilisant, on s'en fout. Ça sert à quoi exactement de faire plusieurs pommes? Parce qu'apparemment on peut recréer le fertilisant, donc ça veut dire qu'on va pouvoir refaire des pommes transgéniques là, non? Le ratifon, j'en ai que 3. Beaucoup de PV en soins. Oh. C'est tout. Ah oh oui, là je veux pas. Faudra faire ça par contre, faut vraiment faire ça. Alors, modificateur d'un. Non, des flèches. Okay. Faudrait que j'en détruise aussi des charges IEM, j'en ai trop. Enfin, trop. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une aptitude, ouais, qui permet de... Ça, là. Double la durée du statut et quantité de santé avec la nourriture. Ouais, c'est pas mal. On verra. Hypopsie, 50%. Les réserves de psy jusqu'à 200. Puce supplémentaire. Non, pas grand chose. Hein. J'aurais pas dû prendre la transcendance en fait. Marcher et courir sans faire de bruit, sérieux? Ah oui, j'avais dit qu'on prenait ça. La régénération 2. On va récupérer 25 points de vie automatiquement quand on prend des dégâts. Ça, c'est cool. Parce qu'on est un monstre. On est un gros monstre.